はキングスナイトを攻撃表示で召喚。そしてフィールドにクイーンズナイト、キングスナイトが揃った時、デッキからジャックスナイトを特殊召喚できる。Yo les gueulistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Il y a quelques jours, il y a King's Court, donc la cour du roi qui est sortie, avec du support pour les decks chevalier du roi, chevalier de la reine et chevalier du valet, les decks à la canne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un deck à la canne. J'ai deck build, il est juste ici, j'ai récupéré toutes les cartes qu'il me manquait, et gros big up au repère du gobelin à Angoulême, qui m'a prêté les 3 cartes qu'il me manquait, et voilà, je les remercie, un gros big up à eux. L'adresse s'affiche juste ici, si vous cherchez une boutique sur Angoulême, n'hésitez pas à y aller. Sachez que j'y suis très régulièrement les samedis après-midi, donc si vous voulez passer me voir, bah, écoutez, ça serait avec grand plaisir. En tout cas, gros big up à toi Willem, tu m'as sauvé la vie pour ce deck profile, pour qu'il sorte aujourd'hui. Le deck en lui-même est assez sympa à jouer, c'est pas un deck compétitif, hein, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas un deck avec lequel vous ferez des top méta, mais il est sympa à jouer pour aller dans ton local et taper quelques petites victoires, c'est toujours faisable, sachant que la version que je vous présente aujourd'hui, c'est une version que je n'ai jamais vue ailleurs, c'est une version plutôt axée autour bien simplement des fusions, autour d'un deck assez consistant et qui sort un board relativement sympa, tour 1, et voilà, il est assez sympa à prendre en main, je suis content des choix que j'ai fait, je suis content du build que j'ai fait, je suis content de vous le présenter, j'espère que ce deck profile vous plaira, si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir, on est quasiment à 11 000 abonnés, c'est incroyable, voilà, je sais même pas quoi dire. Il y a quelques temps j'étais super content de passer les 10 000, bah là on passe, d'ailleurs j'ai oublié de remettre le cadre des 10 000 parce que du coup je suis obligé de changer mon décor pour les vidéos sponsor et j'ai oublié de remettre le cadre, peu importe. Si jamais vous avez des remarques à faire sur ce deck profile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, le deck profile c'est vraiment sûrement l'une des vidéos sur lesquelles j'aime le plus échanger avec vous parce que bah, moi j'ai mon point de vue de deck builder entre guillemets, j'aime beaucoup ça, donc j'ai des tips qui viennent au fur et à mesure, mais peut-être que vous allez me dire, ok, moi j'ai vu ça, peut-être que ça serait intéressant de jouer ça et ça, et parfois on trouve des trucs super intéressants en discutant ensemble dans les commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous lisent les commentaires, donc bah, voilà, moi je réponds à tout le monde, si vous voulez liser, bah n'hésitez pas à participer, voilà, tout simplement, et je vous embête pas plus, c'est parti pour ce deck profile. Ok, donc c'est parti pour ce deck profile, on commence avec les monstres emblématiques, deux chevaliers de la reine, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Deux chevaliers du valet, parce que en fait c'est les ratios, c'est-à-dire que deux chevaliers de la reine, deux chevaliers du valet, c'est des cartes que t'as pas forcément envie d'avoir en main, mais que tu vas pouvoir facilement spé du deck. Et après, ben, trois chevaliers du roi. Chevalier de la reine, on a pas mal de cartes qui vont l'aspect du deck. Chevalier du valet, on va souvent vouloir le spé avec chevalier du roi, et du coup chevalier du roi, t'as souvent envie de l'avoir en main de départ. L'idée c'est d'avoir un chevalier de la reine, normal ou spécial un chevalier du roi, enfin normal pardon, parce que si tu le spé, l'effet passe pas, et du coup spé un chevalier du valet, donc ça te fait quand même des bodies sur le terrain qui sont quand même assez intéressants, et ça c'est les cartes classiques, c'est les cartes de Yugi, donc ben voilà, on les joue à ces ratios là, ça suffit amplement, pas besoin d'en avoir plus pour que le deck tourne bien. Ensuite on va jouer 3 chevaliers du harlequin, qui est juste incroyable. Cette carte là elle se spé en envoyant une de ces cartes là du deck au cimetière, et donc elle restera level 5, mais elle prendra le nom de la carte que tu as envoyée. Donc c'est cool parce que du coup tu peux éventuellement l'aspé en envoyant chevalier de la reine, du coup normal chevalier du roi, et du coup spé chevalier du valet. Donc ça c'est vraiment fort. Ça reste en level 5, donc ce qui est cool avec le level 5 c'est que ben, on a des X6-5 qui sont intéressantes, qui sont puissantes, et du coup on peut se permettre de jouer dans le deck. Et l'autre gros avantage de cette carte là c'est qu'elle est juste clairement magnifique en soi. Ensuite on va jouer, donc ça fait partie du support qui est arrivé dans la dernière extension et qui pour le coup fait quand même pas mal le café. On va jouer 3 gardes impériaux. Alors gardes impériaux, je vais vous lire son effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez sacrifier cette carte, prenez 2 monstres de noms différents parmi le chevalier du roi, chevalier de la reine ou chevalier du valet depuis votre deck, ajoutez-les soit à votre main ou invoquez-les spécialement sur le terrain, tout simplement. Donc c'est cool parce que si tu ne contrôles rien sur le terrain, que tu as juste ça en main, normal, effet, spé. Spé. À partir de là, tu as une seule carte, déjà tu as un monstre sur le terrain. Tu peux aller chercher une isole, tu peux aller chercher un X6-4, tu peux aller chercher plein de choses. Franchement, c'est vraiment intéressant que cette carte-là existe parce que, en fait, c'est que cette carte-là, couplée avec éventuellement le chevalier du harlequin, je peux vous lire son effet si vous voulez. Vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, roi, valet depuis votre deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte si vous le faites, le nom devient cette carte, etc. Durant la end phase, alors c'est vrai qu'ils ont des effets de recyclage dont je vous ai pas parlé, donc ça c'est le premier effet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sélectionner un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez dans le deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. L'avantage effectivement de cet effet là, beaucoup de ces cartes là dans le deck vont avoir un effet similaire, bien c'est que tu vas faire du recyclage et en fait tu peux aller au grand game contre du deck pas trop méta, dans le sens où tu vas recycler beaucoup et tu pourras refaire tes effets au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment ces deux cartes là, c'est intéressant. Si tu arrives à les avoir toutes les deux en main de départ, c'est incroyable parce que du coup elle va te permettre de spé et ben, chevalier du reine, roi, valet comme tu le veux. Elle va permettre et bien tout simplement de se spé toute seule en envoyant
envoyant un du deck au cimetière. Et il y a pas de condition. Elle, la seule condition, c'est qu'il n'y a pas d'autres monstres sur le terrain. Elle, tu t'en fous. Genre vraiment, tu peux la faire après. Et du coup, bah, tu peux accéder à un X6-5 extrêmement facilement. Ou aller chercher une fusion très facilement. Je vous parlerai des fusions un petit peu juste après. Tac. Ensuite, on va jouer une fois le boss monster. Alors, je vous cache pas que je joue le boss monster pour la forme. Pour le deck profile, mais en soi il est pas incroyable, on va pas aller la chercher. Si on la hard draw, c'est cool, mais sinon on va pas aller la chercher spécifiquement. Cette carte là, elle gagne, tu peux envoyer un chevalier roi, reine et valet depuis votre deck ou zone monstre, depuis votre main ou zone monstre au terrain. Tu peux invoquer cette monstre, elle gagne 500 par le nombre de cartes qu'il y a dans les mains. Donc clairement c'est un peu sliffer si tu préfères, mais c'est beaucoup plus difficile à invoquer, je trouve. Et tu peux défausser une carte, détruiser toutes les cartes contrôlées par votre adversaire du même titre. Genre, tu défausses une magie, ça pète toutes les magies. Tu défausses un monstre, ça pète tous les monstres. Je la joue pour la forme, parce que c'est cool de sortir un boss monster qui peut gagner avec une attaque un peu variante, etc. Mais en soi, on va pas se mentir, elle est pas incroyable. Mais je la joue quand même, parce que parfois, ça m'a fait gagner des games assez facilement. Ensuite, on va chercher deux monstres qui sont très intéressants. Une pierre à feu, parce qu'elle se spé, parce que ça fait toujours un body supplémentaire sur le terrain, et parce qu'elle est level 1. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir la chercher avec Isolde, et la level 1 va pouvoir faire un lien Kuribo, ce qui est toujours assez intéressant. Et le Red Force Quantum, parce qu'encore une fois c'est un level 5, c'est un guerrier qui se spé. Donc tu commences par ça, tu le spé, et ensuite tu fais tes plays par exemple à base de chevalier du Harlequin. Et derrière bah, t'as très facilement, t'as toujours pas normal, t'as déjà deux monstres sur le terrain. Et, derrière, admettons que t'as un chevalier par exemple, un chevalier du roi, normal le chevalier du roi, t'as déjà un chevalier de la reine par exemple, parce qu'avec Harlequin t'as du chevalier de la reine, du coup tu peux spé chevalier du valet, et ça c'est quand même pas mal fort. Sachant que c'est une carte qu'on va pouvoir éventuellement tuto avec Isolde. Pour ce qui est des monstres, c'est tout. C'est déjà un bon package, mine de rien. On va jouer 3 H, 2 beautés fantômes, 2 effects Veiler pour pouvoir jouer, en fait, tout simplement. Le deck, comme je vous le disais, est pas un deck méta, donc il a besoin de pouvoir être un petit peu puissant face à la méta. Et le deck a quand même pas mal de free spot puisqu'il est assez consistant de base. Donc on va jouer, pas simplement 7 entrap, des entrap assez génériques. 3 H parce que c'est ce qu'il y a de plus fort, 2 Ghost Bell parce que c'est ce qui va counter un peu la méta actuellement, et 2 effects Veiler également pour tout ce qui va être par exemple les matchups tri-brigade. Ensuite, on passe aux magies avec sûrement la meilleure magie du deck, la quinte du Harlequin. Cette carte-là, elle est vraiment très forte. Je vais vous la lire, encore une fois. Défausser une carte. Alors, c'est vrai que celle-là, c'est la seule qui a un véritable cost. Et en plus de ça, elle a une condition qui nous régule après. Tu peux invoquer spécialement un chevalier du roi, chevalier de la reine depuis le deck. Et ajouter un chevalier du roi ou chevalier du valet depuis votre deck à votre main. Puis, immédiatement après la résolution, vous pouvez normal summon un monstre. C'est-à-dire qu'en gros, tu actives effet, tu défausses un, peu importe. Spé chevalier de la reine, effet tuto chevalier du roi, effet normal chevalier du roi, effet du coup bah tu vas pouvoir spé ton chevalier du valet. Donc ça c'est quand même vraiment pas mal, parce que du coup avec une seule carte t'as 3 bodies sur le terrain. Tu ne peux plus invoquer de monstres de l'extra deck, oui c'est ça, depuis l'extra deck, hormis des monstres guerriers lumière, et à la end phase, si cette carte est dans ton cimetière, tu peux cibler un monstre lumière guerrier dans le cimetière, tu mélanges dans le deck et tu rajoutes cette carte là de ton cimetière à ta main. Donc ça c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. C'est une carte que tu avais envie d'avoir en départ, c'est une carte qu'il me manquait, donc merci encore une fois au repère du gobelin de me l'avoir prêté, parce que du coup je peux la jouer en 3 exemplaires. C'est vraiment sympa, c'est une carte là que tu as tout le temps envie d'avoir, et quelle que soit la situation en fait tu vas toujours l'activer, sachant qu'elle a pas de condition du style tu ne dois pas avoir de carte sur le terrain ou tu ne dois pas avoir déjà spécial summon, c'est-à-dire que tu peux en plus de ça la condition c'est vous ne pouvez pas invoquer le reste de ce tour, c'est-à-dire que avant tu peux faire tes plays, sortir des monstres qui sont pas forcément guerriers lumière, tu fais quinte du harlequin et ensuite t'es bloqué en guerrier light. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment puissant et ça permet de faire des trucs plutôt pas mal. La fusion qui est vraiment la carte sur laquelle j'ai axé un petit peu le deck, cette carte là elle permet d'invoquer un monstre fusion lumière guerrier depuis un extra deck et en utilisant des monstres sur ton terrain évidemment et de ta main, et si tu contrôles un chevalier de la reine, chevalier du roi ou chevalier du valet, vous pouvez utiliser un monstre fusion, un monstre depuis ton deck comme matériel fusion. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a officiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 accès à un monstre, parce que du coup, lui, je compte comme un accès parce qu'il va en SP2, et lui, il se transforme en n'importe quoi, donc c'est très intéressant. En gros, tu as un seul monstre sur le terrain, fusion, tu vas pouvoir spé un monstre de ton extra deck en utilisant des monstres de ton deck. Donc ça, c'est juste incroyable, et ça permet de sortir des bodies quand même plutôt puissants, d'aller chercher le létal ou d'aller chercher de quoi embêter l'adversaire avec des monstres qui sont assez forts. Je le joue x3, j'ai vu beaucoup de personnes le jouer que x1 et pas trop considérer les fusions. Moi, je trouve que c'est plus intéressant et ça correspond plus à un petit peu à l'éthique du deck en lui-même de jouer cette carte-là, sachant que... invoquer un monstre fusion en utilisant un monstre de ton deck, c'est juste ultra fort.
On va jouer pour la stabilité, 3 pots de prospérité qui peuvent être remplacés par des pots d'extravagance. Je vous expliquerai un petit peu les ratios dans l'extra deck. Moi, je joue des ratios autour de pots de prospérité, mais on peut augmenter certains ratios, cut certaines cartes pour pouvoir jouer des pots d'extravagance, piocher 2. Moi, personnellement, je préfère regarder 3, aller chercher mon top deck et tout simplement pouvoir jouer, sachant que je vais choisir ce que je vais bannir plutôt que de bannir 3 aléatoirement et piocher 2. Les deux sont discutables, les deux sont jouables. Moi, je préfère prospérité. Prospérité est plus cher, malheureusement, mais ça apporte vraiment une stabilité dans le deck qui est juste incroyable, sachant que derrière, on va quand même pouvoir jouer, on va quand même pouvoir continuer de faire des choses et encore une fois, on a notre extra deck qui est là pour tempo un petit peu si jamais on peut pas mettre l'étal directement. Pour ce qui est des monstres normaux, on va jouer 2 Dayam prévus, donc c'est pour ça en fait, c'est la seule raison pour laquelle je joue que 2 2 chevaliers de la reine, parce que j'ai que 2 targets. Dayam prévu rentre un petit peu en conflit avec les gardes impériaux, parce qu'en fait les deux ne se résolvent que s'il n'y a rien sur le terrain. Donc en fait t'as pas envie d'avoir les deux en main de départ, clairement. Tu veux soit les gardes impériaux, soit Dayam prévu, mais en même temps ça en fait que 5 dans un deck de 40. C'est rare que t'aies les deux en même temps. Et dans tous les cas, en fait, les deux sont tellement forts que tu peux pas te permettre de jouer soit l'un, soit l'autre. Ensuite on va jouer les x1 du deck, donc renfort de l'armée, beaucoup trop fort dans ce deck là, tu vas tuto ça c'est quand même incroyable, tu vas tuto garde impériale, voilà, donc je sais même pas comment tu peux justifier la présence de ce deck, de cette carte là, elle est juste trop puissante. On va jouer fossile vivant pour pouvoir tout simplement jouer Isolde, Monster Reborn avec l'Artwork UCG, ça c'est obligatoire clairement dans tous les decks. Instant Fusion qui est la carte un petit peu tête carte de mon deck, parce qu'en fait on va jouer des guerriers 4 et 5 dans mon extra deck, et cette carte là c'est un extant qui est juste incroyable, qui tout double, qui est vraiment très forte, qui permet de mettre des OTK, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais je joue les numéros 39, mince, j'ai mangé le nom. Oui, numéro 39, ouais, je suis con, putain, j'ai cherché le nom numéro 39, incroyable. Et du coup, qui tout double, c'est vraiment la carte qui dit, tu fais 2 spé, 39, utopie, double utopie, t'as gagné, clairement. Donc voilà, instant de fusion, ça peut être discutable, parce que du coup, c'est une fois 1 dans le deck qui prend 2 places dans l'extra deck, mais à chaque fois que je m'en suis servi, je me la suis jamais fait annuler, et à chaque fois ça m'a servi d'aller chercher un monstre de l'extra deck en supplément, d'aller chercher potentiellement une target pour aller faire un Zeus derrière et tempo un tour, donc c'est vraiment très très fort. Fossile vivant, c'est une carte qui peut être discutable, mais ça reste un reborn dans un deck où on a pas mal besoin d'avoir des bodies sur le terrain, c'est très fort, et encore une fois c'est la target à Isolde, donc clairement on va pas s'en passer. Et on termine avec remplacement du Harlequin. Alors encore une fois, moi je suis fan des artworks, clairement. Et cette carte-là, elle dit qu'elle se transforme dans n'importe quelle carte magique qui cite Chevalier du Roi, Chevalier de la Reine, Chevalier du Valet. Donc ça veut dire que ça nous fait un exemplaire supplémentaire de Défusion et des quintes du Harlequin. Donc en gros, c'est comme si on jouait chacun de ces cartes-là à 4. Donc clairement, je vous ai expliqué, les cartes sont super fortes. C'est une carte, c'est un peu comme le monstre, tu vois, genre, si tu l'as en main de départ, c'est cool, si tu l'as pas, c'est pas grave, mais si tu l'as en main de départ, ça veut dire que, bah, si tu meurs pas à tour 1, parce que tu vas éventuellement prendre l'étal, bah, t'as un 3 remplacement du Harlequin, va te permettre de respé 2, ou de faire une fusion directement, et ça, mine de rien, c'est juste super, super fort, et encore une fois, elle a un effet de recyclage, donc quand tu l'as, tu peux la remettre dans ton deck, tu peux la remettre dans ta main, et recycler des monstres de ton deck, et continuer à faire, par exemple, des quintes du Harlequin très très facilement. Tac. On est fini pour le main deck, donc 40 cartes, le deck tourne plutôt bien, 7 entrap dans un deck de 40, on a une fois sur deux une entrap en main de départ, donc c'est quand même très intéressant. Je vous ai dit que je jouais beaucoup les fusions, c'est le cas. Je joue de la nouvelle guerrier, donc c'est Gulti Gerfril, le chevalier magique, d'acier magique, pardon, et 3 bons vieux Alakan. L'avantage d'Alakan, c'est que c'est un ton à 3008, et c'est un ton qui dit, une fois par tour, lorsqu'une magie piège ou un monstre qui cible cette carte face recto est activée, effet rapide, tu peux défausser une carte du même type et annuler l'effet. Donc ça, c'est intéressant. Grosso modo, elle a le même effet, et si tu as utilisé des monstres qui sont sur ton terrain, elle va pouvoir taper deux fois, sachant que c'est deux guerriers d'attributs différents. Donc par exemple cette carte là, si on avait encore une méta à base de Infernoble, ben, clairement cette carte là ça serait une target à super poly qui serait super forte, donc franchement je vais en garder un exemplaire pour moi, parce que cette carte là elle est juste super forte, et ça va être les monstres qu'on va chercher vraiment la plupart du temps à invoquer. C'est vraiment un peu l'esprit du deck, et 4 ça suffit en fait, 4 tu vas jamais en sortir trop dans le duel. Franchement si tu sors un chaque déjà c'est incroyable, et c'est des monstres badass, c'est un peu des boss monsters qui font plaisir. Ensuite on va jouer une Isolde, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer l'effet, tu l'invoques, tu vas pouvoir tuer un monstre mais tu pourras pas le spa activer l'effet de ce tour là, et tu vas pouvoir envoyer une magie d'équipement de ton deck au cimetière, c'est pour ça qu'on joue le fossile vivant, et spé un monstre du même niveau du nombre de cartes que tu as foulé. Donc nous on envoie et bien simplement la petite, j'ai oublié son nom, c'est fou ça,
La petite dame pierre à feu qui est level 1. Et si on n'est pas sous la contrainte de faire des guerriers light, on pourra faire un lien Kuribu derrière qui nous permet encore une fois de tempo. Donc ça c'est intéressant. Alakan extra harlequin qui a grosso modo le même effet qu'Alakan, sauf que c'est un lien 3 qui pointe et qui a 2008 qui est un peu moins puissant, mais qui peut être très intéressant dans certaines situations parce que c'est un guerrier light. Donc on va pouvoir continuer de jouer même sous la condition de quinte. Lien Kuribu, je viens de l'expliquer, juste trop fort. Ça c'est mes deux targets. Alors regardez pas l'état des cartes, je suis désolé, je les ai pas en meilleur état. Là, lien 4. Enfin, le monstre rang 4 pour instant de fusion et le monstre rang 5. L'avantage vraiment de celui-là, c'est que c'est un guerrier light. Donc même sous quinte, on va quand même pouvoir faire instant de fusion, payer nos 1000 et espérer un monstre supplémentaire. Et derrière, éventuellement, aller chercher un Playdas, par exemple. Le 4, c'est très très intéressant. Normal, tu prends une interruption. Instant de fusion, tu spins level 4. Derrière, si l'adversaire n'a rien, tu fais utopie, double utopie, t'as gagné. Donc voilà pour ça. Je vais jouer un numéro 39 et un double utopie, évidemment. Double utopie qui est en US, qui est incroyable. Ouais. Lui va pouvoir annuler son attaque. S'il annule son attaque, tu vas pouvoir tuto la magie. Et avec cette carte-là, bah, tu vas pouvoir simplement gagner et taper extrêmement fort. Donc ça, c'est bon. Pour le reste des X's, on va jouer 2 X's 4. Donc un résident des abysses pour pouvoir tempo. Ça cancel pas mal de decks de la méta actuelle. Et un numéro 41 pour pouvoir tempo encore une fois. Cette carte-là est vraiment intéressante, notamment parce qu'on va pouvoir jouer justement à la canne sous Bagushka. L'adversaire est très ennuyé et nous, on a un monstre à 2008 qui continue de taper. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va jouer un Playdas, c'est sûrement une des meilleures cartes du deck. Quand tu peux la poser, c'est souvent que tu as gagné parce que cette carte elle dit une fois par tour, tu peux détacher un matériel X's et tu peux choisir une carte sur le terrain, la retourner dans le deck. Donc ça c'est juste super fort. Clairement, c'est vraiment une carte qui dans le deck, en plus elle est en Shatterfoil, elle est vraiment belle. C'est pas la Sleeve qui fait ça, c'est vraiment la carte qui est en Shatterfoil. Donc voilà, clairement on va pas s'en priver. Et puis un Zeus pour terminer parce qu'on joue quand même 1, 2, 3, 4, 5. X's que parfois on va chercher à annuler numéro 39 double utopie, bah derrière tu poses un Zeus et pendant un tour t'es quasiment sûr de pas mourir quoi. Donc vraiment très intéressant et voilà, c'est terminé pour ce deck profile donc A40 avec quelques petites tech cards comme les instants de fusion, le petit lien Kuribu qui sauve des vies et puis un deck axé globalement autour des fusions. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de deck. C'est des decks qui sont sous-estimés, qui sont pas connus. Beaucoup de gens vont sûrement passer à côté. Et t'arrives avec ça en Duel Center, t'arrives ça en petit tournoi local, etc. Et bah tu peux voler des games sur un malentendu parce que tu sors des tons qui sont... Bah t'as beaucoup de decks aujourd'hui qui passent pas forcément les gros tons. Aujourd'hui, c'est vrai que on joue plus trop Boreal Sword, par exemple, ce qui était l'une des solutions pour passer les gros tons très facilement. Et ce deck-là bah, va quand même pouvoir annuler pas mal de choses qui ciblent. Il y a beaucoup d'effets qui ciblent dans le jeu et faire des trucs cool. Tu peux tempo, tu peux sortir un deck sympa, tu peux sortir des liens Kuribu, etc. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, comme d'habitude, les commentaires, je vous invite à en laisser à la fois pour le référencement, hein, parce qu'on va pas se mytho, c'est quand même très cool, et également pour partager ensemble votre avis, votre retour, est-ce que vous allez jouer le deck ou non, etc. Ça me fera plaisir. Voilà, je vous embête pas plus. Prenez soin de vous, faites nombreux duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!